Bonsoir tout le monde. Par où commencer? Il y a beaucoup d'instructions différentes qui existent en Sparkle, beaucoup de façons de faire, beaucoup de façons de faire les mêmes choses. D'ailleurs, parfois, on peut, pour un même résultat, passer par plusieurs voies. Ça aide de penser aux questions en Sparkle comme un graphe que l'on parcourt. Et parfois, il y a plusieurs façons d'arriver au but. Et il y a plusieurs façons de le faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce soir, je voulais détailler un petit peu ce qu'on appelle les préfixes. Si on pense à ce parcours et aux questions que l'on pose en Sparkle comme sujet, verbe, complément, ces fameux verbes entre deux, ces prédicats, peuvent prendre des formes très diverses. Il y a une liste un peu sans fin. On va peut-être pas tout regarder ce soir, mais dans l'heure qui vient, j'ai envie de vous en montrer plusieurs, les plus utiles, les plus courants. Je passerai plus de temps dessus. D'autres, peut-être que je passerai juste une seconde ou deux. S'il y en a que vous connaissez, que vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Ou si vous ne connaissez pas et que vous avez des questions, justement. Voilà un peu le programme de ce soir. En espérant que je ne meure ni de chaud ni de toux. Voilà. Donc on va passer sur mon écran. Et donc voilà, on est donc sur query. Hop là, si je rendais le plein écran. Donc query.wikidata.org. L'interface habituelle. Je la passe en grand, c'est plus pratique. Et donc, les boutons d'aide en haut, j'en parle pas souvent, mais là, il y a un bouton aide. Il y en a deux en fait. Je vais ouvrir modèle de données et liste de préfixes. Alors, liste de données, c'est extrêmement beaucoup d'instructions, d'explications sur tout un tas de choses. Ça montre en contexte certains exemples de requêtes, mais c'est des requêtes très complètes qu'il faut un peu, entre guillemets, savoir analyser. Ceci dit, j'aime pas mal ce schéma qui montre les liens entre les différents nœuds dans le graphe, comment passer d'une information à une autre, sachant que dans 90% des cas, on fait de là à là, donc d'un élément WD vers un autre élément ou une valeur avec WDT, WDT comme propriété, parce que c'est souvent une propriété Wikidata qui est derrière ça. Mais en fait, vous voyez que voilà, déjà ne serait-ce que pour vous montrer qu'il y a énormément de chemins et de propriétés, de préfixes existants, bah voilà, ça c'est déjà ne serait-ce que même si vous ne comprenez pas forcément ce schéma, vous comprenez au moins qu'il y a beaucoup de façons de faire. Typiquement, là vous voyez, il y a un lien qui est un peu tout seul, c'est le schéma about, à propos de, et c'est le lien qui se fait entre un article sur un wiki, Wikipédia, Wikisource, Commons, peu importe, et un élément Wikidata. C'est en fait le lien de. Alors je vais ouvrir un élément Wikidata, ça sera mieux. Au hasard, Rennes. Tous ces liens-là qui sont à gauche, à droite, excusez-moi. Les liens vers toutes les Wikipédias. Puis si je descends, là, il est bien chargé. Vers Wikinews, Wikicode, Wikivoyage et Commons. Et bien, tous ces liens-là sont stockés voilà, avec ce chemin-là, About. Et autant parfois vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'arriver par exemple d'un élément à sa valeur. On peut passer tout droit ou on peut faire le tour par là ou faire des tours, des grands tours parfois. Si on veut passer d'un élément à son lien interwiki, on n'a pas le choix, il n'y a que ce chemin-là qui va falloir, enfin, qui existe et qu'il faut donc utiliser. Contre-exemple de ce que je te disais, qu'il y a toujours plusieurs chemins. Voilà, je ne vais pas forcément m'apesantir dessus, mais sachez qu'il existe et qu'il peut toujours être utile de revenir se référer à ce schéma. Et sinon, donc du coup, là toujours, hein, j'ai cliqué ici, donc je ne vous redonne pas le lien, mais c'était modèle de données, liste de préfixes. Et donc liste de préfixes, elle est là. Et vous voyez, des préfixes, il y en a énormément. Encore une fois, 90% des cas, on utilise WD, WDT, mais en fait, il en existe beaucoup, beaucoup plus. Certains qui ont beaucoup d'instructions qu'on va utiliser souvent, enfin qu'on va utiliser plus souvent que les autres, d'autres qui vont avoir très peu d'instructions.
Voilà. Pareil, là, c'est ce qui est intéressant, c'est plus de savoir que la liste existe, où elle est disponible et ce qu'elle contient. Je ne vais pas forcément tout montrer. Quand on fait une requête, si vous vous souvenez, je parle d'un élément par exemple. Puis si je commence à taper quelque chose, WDT, je peux taper localisation par exemple. Localisation. Et il me propose une propriété. Et ça marche de la même façon avec les autres préfixes. Par exemple, si je fais RDFS et que je fais contrôle espace, il complète. Et par exemple, derrière RDFS, il n'existe que label. Il n'y a pas le choix. Si on commence par RDFS, c'est label. Alors, plutôt que de prendre n'importe quel élément, on va prendre le fameux élément REN. Et on va mettre dans un label. Donc voilà, une instruction simple et efficace, mais qui est fonctionnelle. Si vous ne savez pas à quoi sert un préfixe et son instruction, le mieux c'est encore de prendre un exemple simple où vous savez déjà à quoi vous attendre dans le résultat. Donc là par exemple, REN, je sais où sont les éléments, qu'est-ce que c'est. Donc je peux lancer cette instruction, et puis cette requête, Sparkle d'ailleurs. Et là, voilà. Et j'obtiens le résultat avec plein de langues. Et alors d'ailleurs, si on survole, vous voyez que ça c'est en PNT. PNT c'est quoi? Le pontique peut-être. REN en PRG. PT portugais, ça je sais. PTBR portugais brésilien, etc. Parfois écrit en cyrillique. Bah, c'est d'ailleurs du russe, très exactement. En SI, singalais peut-être. Sri Lanka, ouais, ça peut y ressembler. Voilà, REN en serbe, REN en etc. etc. Donc en fait, vous doutez bien, et vous aviez déjà un indice avec le mot de l'instruction label, qu'en fait, ça, c'est ce qui va nous permettre de récupérer les libellés ici. Si je les trie par ordre alphabétique d'ailleurs. En premier, on a le latin avec Condat Redonum. Tiens, c'est marrant, ça c'est. Ok. Si je descends, je dois trouver Rennes en breton, Roison par exemple ici. Tiens, c'est marrant que ce soit dans plusieurs langues. Normalement, c'est qu'en breton, breton, gallois, ok, évidemment, gaélique, gaélique l'autre, écossais, irlandais, gaélique V, je ne sais plus ce que c'est, GV, cornique, KW, et OC. Occitan, ok, d'accord. Donc tout cela, c'est logique que dans les langues celtiques, ils aient repris le nom en breton. L'occitan, c'est un peu plus étrange, c'est plus par un certain militantisme, peut-être. Mais bon, après tout, c'est sans doute que la Wikipédia en occitan a choisi ce nom, j'imagine, si on vérifie ici. MNO, je suis passé trop vite. Oh, occitan. Non, occitan, ils ont mis Rennes. Ouais. Ça pourrait être. Bon, bref, peu importe. Donc du coup voilà, ce préfixe RDFS là, qui à chaque fois là l'URL vous donne des détails, mais des détails que pas forcément très parlant, ça ressemble à ça, ce genre de page. Voilà, pourquoi ça marche pas. Ça ressemble même à, on n'a même pas accès puisque c'est un fichier RDF qui veut télécharger directement. Vous ne voyez pas l'écran, mais il y a un truc qui. On pouvait l'accéder complètement, non? Non? Je ne sais même plus. Non, il ne trouve pas. Ça, voilà. Mais c'est un documentaire technique, pas forcément parlant. Le mieux, c'est que je vous explique. Bonsoir à ceux encore qui arrivent maintenant. Donc voilà, RDFS, label. Et donc là, j'avais un indice. Ça s'appelle label. Je l'ai stocké d'ailleurs dans une variable label. J'ai vite deviné ce que c'est. Mais parfois, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Donc vous pouvez mettre value tout court. Et puis on va faire des autocomplétions sur les autres. Donc RDF par exemple, RDF type. Pareil pour RDF, donc là du coup c'est RDF, ça doit être le premier de la liste. Oui voilà, c'est le premier de la liste. RDF, RDFS qui est là. Dans les deux cas, il n'en existe qu'un. D'ailleurs, ça aurait été intelligent de le trier par un ordre alphabétique, ça peut-être plus ou d'un ordre d'importance. C'est étrange de le mettre. Je sais pas s'il y a une logique derrière. Bref, RDF type, et voilà, je mets value, je ne sais pas ce que c'est. Et là, pas de résultat, parce qu'en fait, RDF type ne marche pas sur un élément. Il faudrait que je passe. Comment je vais l'appeler? Pas Q, pas item, du coup. Je vais l'appeler sujet, par exemple. Et puis on va faire limite 1. Vous allez voir un résultat. Donc voilà, par exemple, Wikibase dump a pour RDF type, schéma dataset. Ça, honnêtement, j'en connais pas trop d'utilisation.
On peut regarder dans les exemples. Ça, c'est aussi une bonne façon de faire. Tout, tout. Attends que ça charge. Si, on peut peut-être s'en servir sur les Lexem pour récupérer seulement les formes. RDF type. Donc là, il y a un exemple, mais un exemple qui n'est pas bon, je trouve. Voilà. Cet exemple-là est plutôt pas mal. Une propriété a pour RDF type d'être une propriété. Wikibase property. Donc voilà un exemple d'utilisation, mais c'est très rare. Après, il y en a d'autres que je vais honnêtement même pas forcément vous montrer. XSD, c'est pour tout ce qui est unité, notamment. Allscos. On va pas s'en servir très souvent. CC, on va pas forcément s'en servir très souvent. Géo, on va s'en servir, mais uniquement quand on va manipuler des coordonnées. Donc c'est un cas très spécifique qu'on va pas voir. Par contre, Wikibase, celui-là, on va s'en servir souvent. Donc ça, je vais l'approfondir. Ontolex, DCT, on va s'en servir aussi parfois sur tout ce qui est Lexem, justement. Ils ont des. Ça, c'est très spécifique, Ontolex. Lex comme lexical. D'ailleurs, tiens, est-ce que ce lien-là marche ou est-ce qu'il nous renvoie directement vers une page aussi à télécharger? Non, là, ça marche. Donc voilà, c'est le même type de fichier qu'on aurait pu avoir tout à l'heure, mais là, maintenant, pour ce sens. Mais chez a.org, il y a le même à peu près. Donc voilà, diverses explications en mode XML dans un fichier pas toujours. Lisible comme ça. Voilà une description rapide, un modèle pour représentation des informations lexicales. Voilà. Puis vous voyez que c'est très long, donc on va pas descendre jusqu'au bout de tout voir. Mais si vous avez un doute sur à quoi sert un préfixe, le regarder comme ça vous donne déjà. Bah, ah oui, ontolex. Est-ce que lex ça veut dire lexical ou lex la loi en latin? Qu'est-ce que c'est que cette ontologie? Bah vous pouvez voir là tout de suite, il vous dit lexical. Et comme ça, vous avez des indices. Donc, ontolex, on va voir un peu DCT, schéma, Wikibase. Je vais vous montrer cela déjà, ça va être pas mal. Je vais commencer. Tout à l'heure, on avait du coup RDFS label qui était pour le libellé. Et si vous connaissez les éléments Wikidata, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle des descriptions. Schéma. Description, et donc je vais le stocker en desk, et puis on va garder REN comme exemple, c'est pas mal. C'est assez rempli pour donner des résultats intéressants, mais pas trop pour pas casser la machine. Voilà. Donc comme tout à l'heure, du coup ça c'est du plein texte, donc on a bien du plein texte en résultat. Hein. Du texte quand même avec, si vous voyez au survol, il y a une étiquette de langue qui est associée. Et donc voilà. Les descriptions, les 38, tiens, c'est marrant, il n'y en a que 38 entre guillemets. Description de Rennes, voilà, donc en français, commune française du département d'Ille-et-Vilaine, et des variations dans d'autres langues. Souvent, d'ailleurs, on voit que ça commence par commune. Parfois, on insiste sur le côté que c'est une commune, une ville plutôt qu'une commune. Commune française, Gemeinte aussi. Lieu principal, Hauptstadt, lieu principal, capitale, chef-lieu. Chef-lieu de la région Bretagne, chef-lieu aussi en breton de la Bretagne, c'est une commune dans beaucoup d'autres langues. Ville de Bretagne en allemand ici on voit un. Puis après de langue que je ne suis pas capable de parler suffisamment. Ça veut dire France en chinois. Le reste, je vais pas vous aider. Bref. Donc, schéma description, ça permet de récupérer la description. Il n'y a pas d'infobulle au survol. Oui, Acharazin, on a déjà établi que c'était un problème de ton côté. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait toujours pas été résolu. Mais normalement, vous avez une bulle au survol. Ah, par contre, moi je la vois sur mon écran, mais OBS que j'utilise pour diffuser sur stream, sur Twitch, ne doit pas récupérer la bulle. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Désolé. Bref.
On avait vu aussi d'ailleurs un truc un peu spécifique pour tout ce qui est libellé et description, c'est que voilà, on a ce service. D'ailleurs, vous voyez une deuxième fois, hein, qu'il y a un Wikibase de points, dont on reparlera tout à l'heure, qui permet de récupérer. Tu fais une capture de fenêtre et pas d'écran sur OBS. Bonne question. Je capture la fenêtre, effectivement. Parce que vu que j'ai un double écran, je sais pas ce que ça ferait si je doublais l'écran. C'est peut-être que je peux capturer. Je regarderai ça pour la bonne question. C'est une bonne remarque, Erwan. Merci. Donc, l'infobulle que vous ne voyez pas ici vous donne le code langue. Donc, là, par exemple, NB. Et NB, c'est le norvégien Bokmål. Donc, ça, je m'en souviens. Mais je connais pas tous les codes à chaque fois. Donc, ES, Espagne. CA catalan, FR France, bon ça va. Mais là typiquement tous les chinois ZH Hans tradition simplifié, ZH tout court qui est du traditionnel d'ailleurs, on le reconnaît là, ZH Hans traditionnel et ZH HK Hong Kong. Bon ça c'est l'hébreu, je reconnais, ça c'est des langues arabes, farsi, persan donc et arabe arabe. Voilà. Bref. C'est pas le moment de tester. Non, je teste pas ce soir, je ferai une prochaine fois. Voilà. Donc bref, ce que je disais, c'est que avec cette instruction très spéciale, donc là j'en parlerai pas, vous pouvez récupérer déjà, libellé, description. Mais il se trouve que parfois vous aurez besoin de manipuler et pas juste de l'afficher. Quand vous voulez juste l'afficher, cette ligne-là fonctionne très bien. Quand vous voulez les manipuler, par exemple, vous voulez dans toutes ces descriptions ne garder que celles qui commencent par la lettre C ou qui ne commencent pas par la lettre C. Parce qu'on a vu qu'il y en a beaucoup qui commençaient par C, peut-être que les autres sont des erreurs, je peux vouloir les filtrer. Dans ce cas-là, pour faire un filtre, il faut forcément l'avoir récupéré, la description ou le libellé, c'est la même chose, avec soit RDFS Label, soit Schema Description. Je vais vous la partager d'ailleurs cette requête, ça peut être toujours pertinent de se référer. Label, voilà. Je la lance. Et du coup j'aurai deux, voilà, et puis en plus du coup c'est un plus sympa de les avoir tous les deux affichés l'un à côté de l'autre. Puis alors il est temps qu'on y est. Du coup on va faire un filter langue de la description du label, c'est pareil, peu importe l'ordre, pas langue avec un point d'interrogation, donc comme ça égal. Non, c'est la description. Et toujours pas point d'interrogation. Parce que là, du coup, il met tout ensemble. Rennes en AF, sud-africain sans doute, enfin, Afrikaans, en face d'un truc qui correspond pas du tout. Donc, c'est un peu ridicule. Si je fais ça, voilà, là, je les ai bien. Vous voyez que vous avez le libellé et la description dans la langue, donc en arabe dans les deux cas, AR, AST, asturien, BN, bengali dans les deux cas. Voilà, ça je peux vous le partager, ça marche pas mal. Ça montre d'ailleurs aussi au passage que par défaut, si vous lui dites pas que les deux colonnes soient dans la même langue, il vous donne les libellés et les descriptions un peu en vrac, et à vous de vous débrouiller entre guillemets. Donc parfois il faut bien penser quand on manipule ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Auto-ex schéma. Donc on a fait schéma, description, schéma, il y en a beaucoup d'autres. Donc là, vous, par exemple, si on fait un contrôle espace, il autocomplète. Ah oui, puis vous voyez toujours pas la bulle qui s'affiche. Ouais, je suis ridicule en fait à chaque fois. Ah si, là vous voyez l'infobulle. C'est bizarre. Donc voilà, schéma about, schéma name, schéma description, date modified, article, is language, is part of. Beaucoup de choses qui sont pas toujours utiles. On a utilisé le schéma description, le deuxième, le troisième, là. Il y a quelques-uns. Le schéma about, comme je le disais au tout début, c'est pour stocker les liens. Sauf que si je suis bête, on voit l'autocomplétion. Oui, merci Envel de confirmer. Schéma about, il fonctionne dans l'autre sens du coup, parce que c'est là que c'est important de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Non, pas là. Quand j'étais sur manuel d'utilisateur, Sparkle, modèle de données. Sur ce schéma-là, vous voyez bien qu'il y a des flèches, elles ont un sens, et c'est de l'un vers l'autre. Donc là, c'est bien de l'URL, schéma about vers l'élément.
Donc link schéma bot ren. Et ça, si je lance, ça me donnera par exemple les 122 liens wiki. Donc voilà, des Wikipédia évidemment, SV Wikipédia, SW, etc., etc. Puis il doit y avoir des Wikicode, Wikinews, on avait vu tout à l'heure aussi. Alors si je triais par ordre alphabétique, peut-être que je les aurais plus simplement. Voilà, Commons par exemple est ici, commons.wikimedia.org. Donc ça peut être pratique de récupérer. Comment ça s'appelle? De récupérer les liens URL, surtout qu'après vous pouvez en faire d'autres choses. Par exemple, on peut faire link. Zut. Is part of, c'est quoi ces schémas aussi? Is part of Wikisource. Wikisource n'a pas marché parce que l'article REN n'est pas sur Wikisource. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre Victor Hugo déjà. Victor Hugo et ça va marcher sur. Je réfléchis avant de faire des choses parce que du coup j'improvise un peu, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, bon, on va tenter. Et du coup, is part of, on peut l'utiliser de deux façons. Soit on met. Alors, il faut mettre l'URL complète à chaque fois, c'est un peu chiant, faut pas que je me trompe quand je tape. fr.wikisource.org. Comme ça. On va tenter. Non, je me suis trompé quelque part. Je m'en doutais. Je suis bête. HTTPS peut-être. Aïe. Non, alors ça c'est bête. C'est moi qui suis fatigué. Ah, HTTPS, je m'en doutais. Je suis bête. Ah bah c'est ce qu'on me dit dans le... Merci Dalf, dans le chat. Voilà. Donc ça me donne le lien vers une Wikisource en particulier. Je pourrais mettre par exemple EN Wikisource et il va me donner sur la Wikisource en anglais. Du coup, maintenant que je sais, ça va marcher. De Wikisource machin, mais on peut aussi faire pour toutes les Wikisources, et là pareil, on va utiliser du coup, alors du coup, pareil, du coup, maintenant je m'en souviens, et là c'est Wikibase, Wikibase, Wikigroup, voilà, et là je peux utiliser Wikisource en toutes lettres avec un i quand même. Je ne suis pas trompé. Alors comme je disais, c'est des instructions qu'on utilise moins souvent, donc je les connais pas par cœur. Enfin, je les connais moins par cœur. S'il veut bien. Si, ça marche. Et ouais, c'est bien ça. Donc là, on a les 22 pages sur les 22 Wikisources où il y a une page sur Wiki sur Victor Hugo. Donc vous voyez dans les différentes langues, donc en allemand, en anglais, en espagnol, français, italien, coréen, bengali, catalan, tchèque, persan, farsi, espéranto, finnois, je ne sais plus, hongrois, lituanien, polonais, portugais, roumain, russe, ukrainien, arabe, PA, c'est une langue d'Inde, j'ai oublié laquelle, Punjabi, peu importe. Donc voilà, ça c'est un petit outil, enfin une petite façon de faire aussi que j'utilise assez souvent. Donc voilà, avec schéma about pour avoir le lien. Et si on veut préciser, pas avoir tous les liens, mais schéma is part of pour avoir le lien vers un site précis. Soit HTTPS fr Wikisource si on veut que sur un site précis. Soit on peut mettre Wikibase Group si on veut une série de projets. Là j'ai mis Wikisource, j'aurais pu mettre Wikipédia, j'aurais pu mettre plein de choses. Par contre ça peut être un peu lent. Vous voyez qu'on a mis déjà presque 20 secondes pour avoir ces 22 résultats. Alors, une seconde par résultat, quasiment. C'est un peu lent. Faut éviter de trop en abuser. Mais c'est possible.
On va continuer sur notre lancée. Schéma. Donc on a vu description, on a vu about, on a vu article. On va voir date modified, ça c'est pas mal. On va reprendre ici du coup Rennes. Et donc, bon, vous en doutez bien, avec le nom date modified, c'est la dernière date de modification. Et donc là, en l'occurrence, ça vous dit que l'élément Wikidata sur Rennes a été modifié la dernière fois le 29 mai 2021, ce qu'on peut vérifier à la main d'ailleurs en faisant voir l'historique ici et en voyant que effectivement le 29 mai 2021 le contributeur VEDAC 13 a ajouté un lien vers la wiki FRR Frison, un truc comme ça j'imagine. Je connais pas tous les codes langues par cœur encore normalement. Le survol ici, ben vous aurez toujours pas l'infobulle. Et puis d'ailleurs, Frison du Nord, c'est ça, référer. HY, c'est de l'arménien. Oui, tout à fait, HY, c'est arménien. Maintenant que je le vois écrit en plus ici, tout à fait, effectivement. Vu la forme de l'arménien, c'est bien l'arménien. Et HU, c'est le hongrois par défaut. Par déduction, je veux dire. Voilà, donc ça peut être pratique si vous voulez prendre tout ce qui se trouve. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre des lieux qui se trouvent situés en Ille-et-Vilaine, par exemple. Et ces lieux ont une date. Et la date est. On va faire un filter d'abord. Filter, l'année de la date. Donc hier de la date. Est inférieur à 2015 par exemple, puisqu'il y a des éléments qui n'ont pas été modifiés depuis 2015. Il n'y en a pas. Si je mets 2020, pour voir si je ne me suis pas planté quelque part. Il y en a quelques-uns, donc 2019, à la limite si je triais par date. Voici 2015, il y en avait. Ah non, ils sont en 2015, pas avant 2015. Donc si je prends avant 2016 par exemple, je vais avoir voilà les 5, les 6 articles sur des lieux situés en Ille-et-Vilaine. Hop là, on va passer ça pour que ça soit plus lisible comme ça. Qui ont une date de modification et cette date de modification est l'année de la date est avant 2016. Donc là j'ai tous ceux de beaucoup en octobre, mai, décembre 2015 et 2 secondes de résultat c'est assez court donc je peux me permettre de mettre une instruction en plus pour récupérer non seulement le lieu mais son label en français et du coup la date. Voilà. Donc voilà, le contour de la motte, la tour Chape de la Masse, le dolmen de Mont-Noël, Hélion de la Rochette, pierre de Mont-Donné et alignement de Mont-Noël. Tiens, deux choses à Mont-Noël d'ailleurs. On peut supposer que c'est la même personne qui est passée sur les deux. Et s'ils ont été modifiés depuis longtemps, bah peut-être qu'ils sont à vérifier. Oui, typiquement. Ah oui, il y a nature, pays, localisation, et c'est tout. Il n'y a pas de coordonnées, il n'y a pas de. Pas d'image, il n'y a rien. Ben voilà, typiquement une bonne façon de faire. Voilà, pareil, menhir, France, Masserac, localisation, et puis rien de plus. Alors qu'on pourrait au moins mettre facilement période néolithique, date de construction néolithique, peut-être plutôt. Une coordonnée, ça doit pouvoir se trouver. Une image, on a peut-être aussi. Voilà, ça a été un import fait par un bot en 2015. C'est logique que ce soit les deux mêmes. Le bot, d'ailleurs, n'a pas dit quelle était sa source. Bah, faudra rechercher, mais. C'est sans doute des monuments qui sont inventoriés, on peut peut-être trouver des infos facilement. Donc voilà, je vais la partager aussi, celle-là. Il me semble que ça peut vous être utile. Donc le date modified, et puis avec du coup un peu un exemple en contexte, parce que la requête toute seule est pas forcément. Enfin, l'instruction toute seule n'est pas forcément pertinente. Avec une requête autour, ça peut vous donner des idées. Là, du coup, j'ai pris les plus anciens, mais il suffit par exemple d'inverser. Et mettre 2020 et puis du coup vous avez les plus récents. Non, évidemment par contre du coup j'en ai énormément des d'ailleurs qui ont été modifiés aujourd'hui. Usine marémotrice motrice de la Rance ou chapelle à Motanger et d'autres bah voilà de plus en plus anciennes. Normalement un élément Wikidata c'est très souvent changé quand même, ne serait-ce que pour des gens qui rajoutent des libellés ou des choses ailleurs, on devrait. Enfin, c'est. Un élément n'est jamais fini complètement parfait. Il y a toujours des choses et des petits détails à rajouter.
À moins que vous parliez les 400 langues du monde dans le Wikidata et que vous ayez tout mis et que vous ayez mis tout, enfin, énormément d'infos. Souvent, il y a toujours des trucs à revoir. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je regarde les plus anciens. Mais par contre, si vous organisez un concours ou quelque chose comme ça et que vous savez, ah, est-ce que les articles ont été déjà changés récemment? Bah, vous pouvez faire comme ça. Ou si vous cherchez, on peut faire des choses marrantes avec la date de modification, des articles qui ont été modifiés le jour de la mort de la personne. Ou le jour de la naissance de la personne, enfin des choses comme ça. On peut faire des requêtes marrantes. Acharazin nous dit, Poulpi n'a pas terminé le boulot. Ben visiblement pas. Ceci dit, ça dépend toujours des sources. 2015 en plus, je sais plus quel outil il y avait pour faire des imports en masse dans Wikidata, mais pas aussi cool que OpenRefine maintenant. Donc peut-être qu'il s'est dit qu'il repasserait dessus et qu'il l'a pas fait. C'est aussi le principe du wiki, hein. C'est totalement, c'est dommage, mais c'est pas inhabituel, sachant qu'en plus sur la Bretagne, c'est peut-être même moi qui lui avais demandé à l'époque. Je regarderai, je compléterai. Voilà. Voilà, on recommence, on va faire une requête simple. Schéma, on a vu tout ce qui était intéressant ou pas du coup. NEM, j'arrive plus à me souvenir ce que c'est. In language, X langue. On va voir ce qu'il fait déjà. Je vais faire pareil avec NEM. Puis on va faire un limite 2 pour avoir deux exemples. Ah oui, ça permet de récupérer la langue d'un lien. Le lien vers AB machin a pour langue AB. C'est pour les liens du coup ici. C'est d'ailleurs, c'est exactement cette petite case-là. Ce qui veut dire d'ailleurs parfois que ça sera le code interne, par exemple simple. C'est un code interne, un code langue qui est propre à Wikidata et à l'univers Wiki, mais qui ne veut rien dire dans l'absolu. Sachant que simple, c'est l'anglais simple, en l'occurrence. Voilà, et schéma NEM. Stocker dans une variable NEM. Pareil, on va faire deux exemples, voir ce que ça donne. Ah oui, bah c'est le. Suis-je bête, c'est la partie qui va avec, du coup, c'est la fin du lien. Du coup, tiens, c'est marrant, on peut mettre les deux ensemble. Schéma. In language. Langue. Et puis, plutôt que de prendre sur un élément au hasard, on peut prendre Rennes de nouveau. Voilà. Et donc là, zut, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai? Comment c'était tout à l'heure? C'est parce que c'est about, c'est dans l'autre sens, c'est ça? Hop là, non. Par contre, là, ça c'est une mauvaise requête. On recommence. 2. Limite, voilà, je vais trop vite, je fais n'importe quoi. Oui, donc X, il faut que ce soit un URL. Donc, on va l'appeler URL, ça sera plus clair de l'appeler comme ça. Et donc, URL, schéma, about. Et puis là, je vais prendre par contre Q647, rennes. Et là, ça va marcher. Voilà, parfait. Et là, je peux enlever la limite, du coup. Et voilà. Du coup, j'ai les 122 liens que j'avais tout à l'heure, mais au lieu de les avoir que tout à l'heure, les liens bruts. Il m'extrait ce qu'il appelle le nom, qui est le nom de la page, ou de l'article, si c'est Wikipédia, de l'entrée, si c'est Wiktionnaire, enfin, etc., etc. Et la langue, ce qui fait que c'est propre. Et ça évite, par exemple, si, entre HTTP et HTTPS, si on se trompe, bah là on est sûr. Ceci dit, maintenant ils sont tous en HTTPS. Mais voilà, on a le code langue. D'ailleurs, simple, du coup. Ah, tiens, j'ai bien fait de vérifier quelque chose. Si je vais sur simple.wikipédia. Ah oui, voilà. Donc le code langue ici c'est simple. Mais ici dans l'étiquette, il nous met en-simple. Il nous aide à donner un code à peu près standard quand même. Alors que ça, là, le simple.wikipédia, c'est pas tout à fait standard. Je me demande ce qu'il fait pour. Ah bah voilà, par exemple, normand. En français, non, sur Wikipédia, on utilise le code NRM pour le normand, la Wikipédia en normand, ce qui est une hérésie totale parce que le NRM, normalement, c'est le code d'une langue d'Asie, le Narum, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir, mais ça date d'une époque où on avait commencé comme ça, donc maintenant on n'y touche plus. Et donc là, on voit qu'il donne
fr-x-nrm pour donner un vrai code ISO. Bref, c'est pas forcément la peine que je passe beaucoup plus de temps, j'aurais pas le temps de voir tout ce que je voulais voir, mais bon, je m'en doutais. Je vous partage cette requête quand même. Et si je m'abuse, normalement, on a vu toutes les instructions qui commençaient par schéma. About pour les URL, name pour le nom de l'article, la fin de l'URL, description pour la description d'un élément, date de dernière modification, in language is part of article x, y, limite 2. Ça ne fait rien, je ne sais plus ce que ça fait schéma article. Tant pis, bah. Si je m'en souviens plus, c'est sans doute que c'est pas utile. Si quelqu'un s'en souvient d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à réagir. Voilà, donc ça je vous disais schéma, on va voir. Ontolex DCT, je garde pour la fin pour les XM éventuellement. Wikibase, par contre, ça clairement, on va utiliser Wikibase pas mal. Là, il y en a énormément. En plus, il y a des services qui utilisent Wikibase, donc on voit que quand on commence à taper juste Wikibase sans rien du tout, il nous en propose énormément. Je vais peut-être pas faire, ouais, il est déjà 38, donc je vais pas faire une démo à chaque fois. En plus, ça va peut-être parfois pas forcément vous parler. Par exemple, Wikibase Rank, pour ceux à qui ça parle, vous voyez tout de suite que c'est le rang dans Wikidata. Vous voyez que cette information, par exemple, a le statut de rang préféré. Pour rappel, les rangs, vite fait, population, par exemple, on a moins souvent un rang. Voilà. Le rang, c'est le petit bouton ici, qui est 9 fois sur 10 sur rang normal, mais qui, par exemple, pour la dernière population en date, ici, a un rang préféré. Si vous voulez récupérer cette information, il faut utiliser Wikibase Rank. Et d'ailleurs, vous voyez que là, donc du coup, je fais sujet, verbe, complément, je les appelais X et Y, parce que je ne sais plus forcément ce que c'est. Là, j'aurais pu l'appeler Rank, d'ailleurs. Vous voyez que là, le X, c'est un WDS déjà, c'est un statement particulier. Le rang, là, il n'est pas... Enfin, il est sur la valeur, c'est-à-dire que vous avez l'élément... Rennes avec une propriété, une valeur, et sur cette valeur, vous avez un nouveau truc avec un peu comme les qualificateurs, un peu comme ce fameux schéma là. Faut ben voilà, Wikibase Rank, il est ici, non, il est ici entre le WDS et la valeur. Vous voyez, il n'est pas au niveau de l'élément. Donc, si je voulais prendre les rangs sur Rennes, il faudrait que je prenne. Voilà, j'ai dit que je faisais pas, puis finalement, je vous montre, mais les rangs, ça peut être intéressant. C'est pas courant, mais le jour où on a besoin, c'est bien de le savoir. Bah on peut prendre la population d'ailleurs. Population. Pop. Par contre, il faut que je mette un point, sinon ça va pas marcher. Ça va marcher? Non. C'est parce qu'il faut que je mette P. Ben voilà. C'est ça. Si je veux passer de WD à WDS, il faut que j'utilise P et pas WDT comme j'ai. Voilà, Rennes a une population. Et cette population, je veux en connaître le rang. Et donc voilà, par défaut, je demande les 20, on m'en donne qu'un. Et si voilà, ils me les donnent tous, quel que soit leur rang. Donc ils m'en donnent un de rang préféré et les autres de rang normal. Voilà, je sais pas si c'est pertinent que je vous le partage, mais tant qu'à l'avoir fait, autant vous la partager maintenant. Tiens, bonsoir Alios au passage. Alios qui fait lui aussi tous les mardis soirs en 1h20 sa session sur autour de Wikisource. N'hésitez pas à rester sur Twitch si ça vous intéresse. Voilà. On va remettre en XY et puis on va voir les liens qui existent. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, j'avais dit il y a B comme badge. Le badge, est-ce que j'ai un exemple là sur Rennes? Est-ce qu'il y a un. Non, il n'y en a pas. On va prendre la tour Eiffel. Je sais que la tour Eiffel est monument historique. Article de qualité dans une langue, donc on va le retrouver. Voilà, donc le badge, juste pour vous aider, voilà. Donc en allemand, je ne sais pas si vous voyez au survol l'infobulle là d'ailleurs, mais il vous dit que c'est un article de qualité. Pour récupérer cette information là cachée ici, il faut utiliser Wikibase Badge. Et en français, il n'y a pas de libellé, il n'y a pas d'article de qualité sur la tour Eiffel, je croyais, moi.
Mauvaise mémoire. Tiens, bah, par contre, en vietnamien, VI, c'est un bon article. Voilà. Wikibase. Property tag, claim. La plupart des choses ici, on va pas s'en servir souvent dans des cas très particuliers. Alios, je pensais que le monde était fait que de WD et WDT. Capo, la révélation. Mais oui, totalement. Dans 90% des cas, on n'utilise que WDT pour les propriétés et WD pour les éléments. Il se trouve que quand on veut dans des trucs un peu particuliers, en fait, WDT et WD, c'est là. C'est ça. WDT, c'est la propriété. WD, c'est l'élément. Mais dès que vous voulez récupérer quelque chose qui n'est pas là, donc là, par exemple, un petit qualificateur ici, une référence ici, et qu'on va plus loin à un niveau de profondeur, si on veut récupérer les alias, les libellés, descriptions, si on veut récupérer en bas les liens, tout ça, tout ce qui n'est pas dans le schéma de base, on va dire, bah c'est plus VDT et WD. Et bon, il y a beaucoup d'informations qui est là, hein, donc on s'en sort. Et puis là, par exemple, si je récupère pas les références de base. En plus, date de création de la tour Eiffel, référence le livre Guinness des records. On doit avoir une ou deux références de meilleure qualité, entre guillemets, je dirais, plutôt que le Guinness des records. Ah oui, très bonne remarque, Denvel. J'en profite pour le préciser. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah si, on va prendre de la population de Rennes. Si je prends WD, donc je pars de l'élément Rennes, et que je demande WDT, population. Là, je récupère dans une variable que j'appelle pop. On a vu tout à l'heure que dans Rennes, il y avait une dizaine de valeurs. Mais si je fais ça, Q647, si je fais ça, j'ai qu'une seule valeur qui ressort, qui est la dernière. J'ai le rang préféré. Parce que Wikidata étant relativement bien fait, ou pas, mais sur ce coup-là, en tout cas, je trouve que c'est plutôt intelligent. La population, voilà, toutes les valeurs, elles existent, mais quand on demande, notamment avec des outils comme Sparkle, mais avec d'autres outils, le comportement par défaut, en tout cas avec certaines instructions, c'est de donner que celles de rang préféré, ou celles au pluriel, qui sont au rang préféré. S'il y en a plusieurs, mais de meilleur niveau. Et pareil, s'il y a des rangs normaux et des rangs, le rang en bas, qui s'appelle le rang. J'oublie toujours. Obsolète. Ah, il change de nom de temps en temps. Déprécié, on dit souvent aussi. Bah, il nous donnera que les normaux et pas la dépréciée. Et s'il n'y avait que des dépréciés, je sais pas s'il nous donne déprécié. Je pense qu'il ne devrait rien nous donner dans ce cas-là. Parce que déprécié, c'est quand même problématique. Voilà. Donc si je voulais les autres, celles qui sont d'un autre rang, comme j'expliquais tout à l'heure d'ailleurs, le rang, de rang normal, il faut utiliser du coup P et pas WDT. Et on me confirme que, merci Envel, que WDT ne donne pas les dépréciés, ce qui est assez logique. L'idée de WDT, c'est de vous donner les meilleurs par défaut. Mais déprécié, c'est tellement pas bon que même s'il n'y a que ça, on ne prend pas, quoi. Voilà. Voilà, donc pour les avoir tous, les valeurs, il faut utiliser P. Et donc là, par contre, si j'utilise P, j'atterris pas à la valeur, j'atterris à un nœud intermédiaire. Et ensuite, il faut que j'utilise bah, PS, là en l'occurrence. Donc ça, je vais l'appeler nœud, comme le nœud intermédiaire. Et une deuxième fois, nœud PS. Donc là, du coup, c'est la même propriété, population. Et là, voilà, j'ai les sept populations, quel que soit leur rang. D'ailleurs, à la limite, tant qu'on est ici, je peux prendre le fameux nœud que j'avais tout à l'heure, nœud, ou qui base rank, je le stocke en français. Et donc voilà, je vois ici du coup toutes les populations avec le rang.
Je sais que celle-là, c'est le rang préféré actuel. Et les autres. Et si j'avais des dépréciés, par contre, P me donne les informations fausses. Si ça vous amuse de voir les erreurs de l'histoire, hein, on a cru longtemps que la Terre mesurait, était plate. Alors, on l'a pas beaucoup cru, mais il y a beaucoup de mythes autour. Par contre, le diamètre de la Terre a été plusieurs fois recalculé et les valeurs fausses anciennes. Je suis pas sûr que ce soit avec le rang déprécié d'ailleurs sur ce coup-là, mais enfin bon. Si ça vous intéresse de voir les informations fausses, vous pouvez le faire avec le P. Voilà. Donc voilà les différentes populations de rennes à différentes dates. À la limite, non, je vais pas vous partager ce lien parce que voilà, je vais pas passer. Il est moins le quart, moins 10. Si je vous laisse un peu de temps pour les questions en plus à la fin pour être sûr que vous avez compris. Voilà, j'ai pas montré voilà, tous les PR, PS, PQ, PSV qui sont d'ailleurs quand on est dans la liste des préfixes. Préfixe, full list au préfixe. Voilà, ils sont regroupés quand même en plusieurs groupes. Il y a tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont préexistants à Wikidata. Et ensuite, tout cela, c'est les préfixes propres à Wikidata. Ils ont été inventés par et pour Wikidata, entre guillemets. Il y a WD et WDT, les fameux. Et il y a tout cela, WDT, N, S, P, PS, PSV, PSN, PQ, PS, etc. Et c'est pour récupérer justement tout ce qui est qualificateur. Tout ce qui est qualificateur. Donc là, par exemple, si je prends date, normalement, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai toutes les dates à laquelle cette population est vraie. Parce que tout à l'heure, j'avais juste le rang vrai ou faux, enfin, normal ou préféré. Donc je sais que préféré, c'est la valeur actuelle, ou la plus récente en tout cas. Mais les autres, je ne savais pas, aucune idée si c'est les plus anciennes. Or, là, voilà, si je les trie par date, est-ce que elle est strictement croissante? 215 de... Non, on voit que la population a un peu baissé. Un peu beaucoup baissé, en fait, d'ailleurs. Enfin, beaucoup, non. Mais elle a connu un pic en 2016 et elle a descendu en 2017 et pour remonter un peu en 2018, mais pas tout à fait au niveau de 2016. On voit voilà, que la population monte et descend. Donc, il ne faut pas juste se fier à la plus grande population et la plus récente. C'est bien d'avoir. Qu'est-ce que j'avais si je clique là, il va rien me donner. Ah si. Ah ça c'est très bien. Donc là WDS avec un code dont vous n'avez pas à vous préoccuper particulièrement. Ah si, d'ailleurs, le début QC47, j'avais pas fait gaffe qui était significatif. J'allais dire les chiffres veulent absolument rien dire. C'est pas vrai. Le début, c'est l'élément. Le reste veut rien dire par contre. Donc voilà, ça, si on clique dessus, il nous envoie bien vers voilà, cet ensemble population avec date. Et du coup, si je veux récupérer ce qualificateur, donc comme je disais, ici avec PQ. Et ça, c'est déjà un peu plus intéressant, je vais vous le partager, que juste en normal et préféré. Voilà. Je vais taper Wikibase pour juste réfléchir à ce qu'il y en a d'autres des traits généraux que je voulais vous montrer. Ce soir, j'ai prévu un peu. Types. Ah, Wikibase Statements. Ça, je vais vous montrer celui-là pour finir. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser maintenant. Avec le décalage horaire, je les aurai tout à l'heure. On va appeler X. Pour les 10 dernières minutes. Voilà. Donc Wikibase Statements, comme son nom l'indique pas tout à fait d'ailleurs, compte le nombre de statements dans un élément. Donc là, l'élément QC47, REN toujours, a 190 statements, déclarations. Donc ça peut être autant ça que techniquement, voilà, un libellé, une description, ça compte aussi comme statements. Et ça, c'est pratique parce que on sert parfois du nombre de statements comme un indice de la célébrité ou de la complétude. Non, pas de la célébrité, de la. C'est ce qu'il faut que je vous montre après d'ailleurs. De la complétude. Donc là, pareil, je peux prendre tous les lieux situés en Ille-et-Vilaine. Vilaine, si je veux. Autocompléter, voilà. Et je leur demande pour tous ces lieux le nombre de statements. Et je ne pourrais pas les avoir. Enfin, je ne sais pas combien il y en a, 3000, quelque chose comme ça sans doute. Ah, 7000 quand même. Ouais. On voit que
Celui-là, je ne sais pas ce que c'est, je regarderai tout à l'heure. On a 263, c'est celui qu'on a le plus. Et qu'après, il y en a beaucoup avec, voilà, typiquement, deux statements. Ça, c'est des éléments qui sont très vides. Comme tout à l'heure, ça peut être un indice de choses à compléter. Une rue où il y a juste écrit route de l'Oléac. Il n'y a même pas typiquement là. Quand même, sérieusement. Pays égale France, quoi. Ça prend 2 secondes d'en mettre une de plus. Qui a fait ça? Harpillard. Ça, 2020, c'est récent. Il n'y a pas le. Ah, on me dit que les libellés ne comptent pas dans le nombre de statements. C'est purement les statements. Il me semblait qu'ils comptaient autre chose. Ils comptent peut-être les. Alors, je te laisse confirmer ou pas, d'ailleurs, infirmer, Envel. Peut-être les liens URL ils sont comptés dedans. Il me semblait qu'il y avait autre chose qui était compté que purement les choses. Mais peut-être que je fais rien. C'est vrai que je l'utilise pas forcément beaucoup. Pourquoi il y a une discussion? Et d'ailleurs, c'est une route, pas une voie. Ouais, il y aura beaucoup de choses à passer dessus. Tiens, c'est intéressant que j'ai fait ça. Il y en a beaucoup, en plus avec deux. Oh putain, il y en a plein. Ouais. D'ailleurs, ce que je peux faire, effectivement, c'est faire un filtre x inférieur. On va l'appeler NB comme nombre à 10. Regarde ton exemple. Ah bah oui, je suis bête. S'il y avait les libellés, ça veut dire qu'il y avait les libellés sont pas pris en compte. Effectivement, logique. Par contre, ouais, peut-être autre chose est pris en compte, je ne sais plus. Donc voilà tout un tas. 4810. 4810 éléments en Ille-et-Vilaine uniquement. Hein, j'ai pris qu'un seul département. Je me doutais que ce serait un peu grand. Où il y a des choses à revoir. Et je pense qu'il y en a de tous les types. Arrondissement de Montfort. Ah, mais là, il y en a 9 quand même, c'est déjà pas mal. Ceci dit, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas comment ils comptent exactement. Faudrait que je regarde comment fonctionne le statement, ce qui compte. Parce que là, pareil, ce qui compte pour 1 ou 2. Intéressant. En tout cas, clairement, ils comptent pas les descriptions libellées. Ou alors, ils comptent si, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Donc, ils comptent pas les entrées Wikipédia. Je n'ai rien dit. Ils comptent bien, donc, où le nombre de, vraiment le nombre de statements. Ok, c'est logique. Pourquoi je pensais qu'ils faisaient autre chose? Je ne sais pas. Et donc là, effectivement, vu qu'il y a deux valeurs, ça fait deux. S'il y a plusieurs valeurs par propriété, ça fait pour chacune des valeurs. Par contre, là, il y a plusieurs qualificateurs et ils ne les comptent pas plusieurs fois. Ça, c'est sûr. C'est logique. Voilà. Est-ce que je vous ai partagé cette requête-là? Je ne crois pas. Plutôt que 10, je vais mettre 5. Ça va me déprimer un peu moins. Il n'y en a plus que 1000, entre guillemets. Alors, ben, il n'y en a plus que 1000 maintenant, parce que du coup, je vais m'en occuper ce soir. Comment distinguer statement et identifiant? Ça, c'est une question qui est bonne. Parce qu'on a vu que du coup, les identifiants sont comptés comme des statements. Du coup, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire bête, sans préoccuper trop, c'est de prendre ceux qui ont pour nature d'être un identifiant, hein, propriété Wikidata d'un identifiant, etc. Sinon, il faut trouver le type de données, identifiant externe. Donc là, on avait vu qu'il y en avait une qui était identifiée en Knowledge Graph. Ouais, voilà comme ça. P260. On va prendre l'arrondissement de Montfort, du coup. D'abord, on peut prendre tout, propriété et valeur. Ça aurait été trop simple. Ouais, voilà, c'est ça. Wikibase identifier. Ah, d'ailleurs, tiens, c'est parfait. C'est une bonne façon aussi de voir tous les trucs qui existent. J'aurais dû commencer par là tout à l'heure. Si je prends un élément, donc là j'ai pris arrondissement de Montfort, mais j'aurais pu prendre autre chose. Prop value, il va me donner tout ce qu'il y a sur cet élément. Donc là, par exemple, il commence par nous donner une version qui ne nous intéresse pas. La date modifiée qu'on a vue tout à l'heure. La description qu'on a vue tout à l'heure. Le libellé aussi, on les a vus tout à l'heure. Les alias, je n'en ai pas parlé, mais tiens, c'est un des rares qui utilise SCOS, d'ailleurs. SCOS.
Altlabel. Et voilà, Wikibase Statement 9, Wikibase Sitelinks 3, Wikibase Identifier 1. Est-ce que ce 1 est compris dans le 9 ou est-ce que j'ai mal compté? Je vous laisserai vérifier de votre côté si ça vous intéresse. Puis après, du coup, il y a toutes les propriétés classiques, hein, WDT, P17, P31, machin, etc. Il n'y en a pas énormément d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, pour répondre à ta question d'Alf, voilà, Wikibase Identifier. Wikibase, alors autant on l'a vu au tout début, hein, RDF, il n'y en a qu'un, type. Et RDFS, il n'y en a aussi qu'un seul. Schéma, il y en a déjà un peu plus. 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, about. Wikibase, par contre, là, il y en a toute une charriété. Toute une charrette pleine. Je sais même pas combien il y en a, une trentaine sans doute. Il y en a énormément. Il y en a pas mal. Voilà, par exemple, là, les trois derniers concernent tout ce qui est l'XM. Il y en a plusieurs, la géo, qui concerne les coordonnées géographiques. On a vu le Wikigroup d'ailleurs aussi tout à l'heure pour le groupe de Wikipédia. Time précision, c'est beaucoup, après beaucoup de choses autour de voilà du type de données, du type de la propriété, du type de valeur. Il y a beaucoup de choses différentes autour de ça. Donc là, Wikibase, on les a pas tous vus. Du coup, je sais ce que je vais faire la semaine prochaine. On continuera là-dessus si ça vous intéresse. Pour finir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été clair ce que je vous ai dit ou pas? Est-ce que ça vous a donné des idées éventuellement? Je peux partager la requête qui donne le nombre d'idées. La requête là, tout simplement. Je pense que c'est celle-là. Et je l'ai partagée la semaine dernière, celle-là, mais je vais la repartager. Hein, après tout, pourquoi pas. Je ne mettrai peut-être pas dans la description YouTube, par contre, pour ce coup-là. Je ne sais pas. Je verrai. Si, parce que sinon, les gens vont pas la trouver. Mais voilà. Et donc, du coup, là, on met n'importe quel élément. J'aurais pu mettre Rennes, Q645. Et du coup, voilà. Mais le problème, c'est que si je mettais Rennes comme ça, vous allez voir qu'on se retrouve avec énormément de descriptions et de libellés au départ. Il faut plusieurs pages avant d'arriver aux autres trucs intéressants, entre guillemets. L'avantage de l'arrondissement de Montfort, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Du coup, ça c'est les classiques. Voilà, j'ai pas parlé de Sitelink, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Du coup, c'est le nombre de liens. WDTN, il faudrait que je parle la semaine prochaine aussi. Qui est assez pour normaliser les valeurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Est-ce qu'il y a des remarques, commentaires aussi divers que variés? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Je vais continuer un peu la semaine prochaine. Pas forcément beaucoup, parce que c'est un peu rébarbatif, honnêtement, de tout faire passer. Ça, c'est le genre de vidéo qui sera peut-être plus intéressante sur YouTube à revenir plus tard pour revoir chacun des préfixes, à quoi ils correspondent avec mes explications. Envel me dit j'ai mis la requête sur le pad. Parfait, d'habitude je le fais avant, j'essaie de le faire en temps réel. Maintenant je le fais après si j'ai le temps, et puis je le fais sur YouTube en fait directement en description de la vidéo. Voilà. Ceci dit, le pad au moins il y a tout sur un seul document pour ceux qui chercheraient en une fois, c'est encore mieux. Le lien du pad qui du coup vous a été donné par Envel, j'ai pas besoin de le redonner. Et il me semble que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Il manque quelques sections sur le pad. Oui, bon, bah, je vérifierai, j'essaierai de compléter. Ceci dit, toutes les vidéos sont sur YouTube. Oui, je crois que depuis janvier 2021, j'ai tout mis sur YouTube à chaque fois. Ouais, à vérifier que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est le cas en tout cas. Donc du coup, vous pouvez retrouver ce que je vous ai dit précédemment d'une façon ou d'une autre. Normalement, c'est pas perdu. Et puis, je suis toujours contactable si vous avez des questions, évidemment.
Si, pour conclure, du coup, s'il n'y a toujours pas de questions, il n'y a toujours pas de questions. La session, enfin la saison, pardon, des wiki événements commence à est partie et bat son plein en ce moment là. Enfin, va commencer à battre son plein rapidement. Il y a eu le Wikimedia Hackathon une semaine ou deux déjà. Mais il y a beaucoup de conférences qui arrivent là, hein, qui vont se dérouler de début juin presque jusqu'à la fin d'année. Notamment dans l'agenda proche, jeudi et vendredi, il y a l'événement Contribulingue. Si j'avais été intelligent, j'aurais préparé un lien et je vous l'aurais donné. C'est pas celui-là, évidemment. Conférence. Contribulingue, c'est une conférence qui est autour de tout ce qui est linguistique, comme son nom l'indique. Je vous donne le lien. Qui est plutôt technique, co-organisé avec l'INALCO, Wikimedia France et l'UQAM, pour l'Université du Québec, je ne sais jamais ce que ça veut dire. UQAM. Université du Québec à Montréal. Et la bibliothèque Bulac de l'INALCO, ça j'ai dit. Toujours autour des langues aussi, à la fin de ce mois. Il y aura la Celtic Note Conférence qui revient sous un nouveau nom de Arctic Note, puisqu'on sera de l'autre côté du cercle arctique. À cause du Covid, on ne pourra pas y aller, mais pour autant, la conférence aura lieu en ligne et techniquement du côté de l'Arctique. Donc, il y a aussi une conférence autour des langues, là qui est plus orientée construction de communauté et qui contribue autour des langues. Il y a la technique aussi, mais pas forcément autant. Voilà. Et j'en oublie d'autres, des événements en 2021. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il y aura la Wikimania cet été, mais ça, j'aurai le temps d'en parler aussi plus longuement à ce moment-là. Il manque un événement qui arrive bientôt et que j'arrive pas à retrouver. Donc, tenez-vous au courant, n'hésitez pas à contacter, voilà, me suivre aussi sur les réseaux sociaux, les dates d'infos de Wikimedia France, Wikidata, etc. Il y a plein de lieux où trouver toutes les infos qui sont fort nombreuses, au point que j'arrive même pas à retrouver celle dont je voulais parler. Voilà. Et sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de journée éventuellement. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez revenir dans un peu moins d'une heure. Merci Envel, évidemment, le webinaire Wikidata Data, enfin Wikidata et Glam, qui va être semi-technique, semi-glam, et qui est à destination de. Bah, donc Glam, c'est les institutions culturelles. Je vous mets le lien vers le billet de blog Wikimedia France. Je crois qu'il y a une page quelque part. Mais surtout. Oui, c'est ça qui est en deux fois, du coup, le 3 et le 10 juin. Donc le 3, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est aussi ce jeudi. Oui, c'est ça, jeudi, il y a le Contribulingue et Wikidata et Glam. Et jeudi suivant, le 10. C'est en semaine puisque c'est plutôt à désignation de public professionnel. Et où j'interviens d'ailleurs. Merci pour le lien vers Meta. Bon, il doit y en avoir d'autres que j'oublie, mais que je ne pense pas. C'est celui-là que par contre je pensais avoir oublié. Donc merci beaucoup. Bonne soirée. Puis à la semaine prochaine pour continuer, notamment sur les préfixes. Et on fera tous les préfixes autour de l'Elexem, du coup, aussi pour finir la semaine prochaine. Ciao, portez-vous bien!